Ce changement de statut marque la fin d'une époque. Celle où le garde-champêtre protégeait et alertait les habitants. Avis à la population de Vito. Ils étaient 20 000 en 1950, ils sont 1500 en France aujourd'hui. Et même si le portable a remplacé le tambour, ils occupent toujours une place particulière dans les campagnes.